Je m'appelle Ludivine, je suis éducatrice de l'enfance en formation. Je suis à l'EZ en deuxième année en formation avec pratique professionnelle. D'abord, j'étais auxiliaire pendant de nombreuses années. J'avais vraiment envie d'une reconnaissance de mes compétences et aussi une reconnaissance salariale. Et j'ai eu l'opportunité de faire cette formation sans changer d'employeur, en restant sur ma place de travail. Alors j'ai trouvé ça vraiment super. J'avais envie d'acquérir des compétences pour pouvoir mieux gérer la complexité qu'on peut vivre au quotidien dans la réalité sociale que vivent certaines familles. J'avais aussi envie de pouvoir prendre plus de responsabilités au sein d'une équipe et également peaufiner mes connaissances sur le développement de l'enfant. La formation, elle est en alternance entre pratique et théorie, c'est-à-dire que j'ai 2 jours de cours par semaine et 3 jours où je suis sur mon lieu de travail. La formation, elle est très dynamique, elle est participative et c'est pas de l'appris par cœur. Elle est basée sur notre propre processus d'apprentissage. D'abord pouvoir être capable de fonctionner en groupe. Il y a beaucoup de travail d'équipe. Il faut travailler avec des adultes, enfin autant avec des adultes qu'avec des enfants. Il faut avoir une grande capacité d'empathie, de remise en question et de non-jugement. Pouvoir prendre position, avoir de la rapidité dans l'action, de la rapidité dans les décisions. Il faut de la créativité et aussi de l'aisance dans la communication. Il y a beaucoup d'entraide, de solidarité entre les étudiants, il y a le partage d'expériences, il y a aussi cette proximité avec les enseignants que je trouve super, où j'ai jamais vécu ça ailleurs. Certains nous donnent du chocolat, mais ça faut pas dire. J'aimerais faire un complément de formation en systémique pour pouvoir encore accompagner au mieux les familles dans leur quotidien.